Coucou à tous et à toutes, je reviens pour un petit haul Nose. Donc ça va être un tout petit haul comme vous pouvez le constater. J'ai pas acheté grand chose, mais je tenais à vous montrer quand même ce que j'ai acheté. J'en ai pour 35,97 €, sachant que le plus cher m'a coûté, l'article le plus cher m'a coûté 9,99 €. Donc ça va. Donc voilà, donc je vais commencer sans plus tarder. J'ai acheté des casiers comme ceci. Donc c'est des casiers de rangement. Voilà. Et en fait, il y en a un qui est tout prêt. Voilà, ils sont comme ça. J'en ai pris deux. Et ces casiers m'ont coûté 3,50 € l'unité. 3,50 € l'unité. Donc voilà, c'est pour les rangements, c'est pour mes filles. Ranger tout le bordel. J'ai aussi pris cette petite carte qui va rejoindre donc le fameux coffret cadeau que je prépare pour la naissance d'une petite fille qui m'a coûté 75 centimes, donc vraiment pas cher. J'ai aussi acheté ceci pour la petite et donc c'est un petit cadre photo, il m'a coûté 75 centimes également. J'ai acheté également ces ranges, en fait c'est des pochettes pour tout. Vous en avez une, il y a marqué « Elles vont où mes chaussures qui déchirent ?» La deuxième, il y a marqué « Elles vont où mes culottes qui déchirent ?» Et « Ils vont où mes petits trucs qui déchirent ?» Voilà. Et le lot, en fait, puisqu'ils sont ensemble, non, vous pouvez le voir, enfin, ils étaient ensemble, ils viennent s'enlever. Mais le lot était à 1,99 €, donc vous aviez trois pochettes. Et il y en avait plein, c'est un nouvel arrivage, donc super intéressant. Voilà. J'ai enfin trouvé cette fameuse cup, mais j'en ai trouvé qu'une qui traînait dans le bazar. Et franchement, à la base, j'étais partie pour ça. Moi, je l'ai cherchée à fond. Et j'en ai trouvé qu'une, je suis dégoûtée. Mais bon, je suis quand même contente d'en avoir trouvé une. Elles étaient à 75 centimes. Voilà, j'aurais aimé en trouver plusieurs. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, comme ça. C'est la magie Nose. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. J'ai également trouvé cette bouteille essence ultime de chez Schwarzkopf. Alors, j'ai beaucoup aimé les après-shampoings essence que j'avais déjà trouvé chez Nose. Et également le shampoing, le rose, je m'en rappelle. Et même mes filles m'ont beaucoup aimé. Elles m'ont dit que ça faisait des cheveux vraiment super. Et donc, j'ai trouvé cette chose à 2,50 €. C'est élastine plus volume et fullness. Voilà, donc c'est pour les cheveux très plats. C'est marqué ici. Donc, en fait, c'est idéal pour donner du volume et de la densité pour les cheveux plats et fins. Donc, c'est vraiment mon cas. On peut en plus le pulvériser sur cheveux mouillés ou secs. Ne pas rincer. Bon, c'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Moi, je le voulais pour moi. J'ai également pris cette crème. Alors, c'est pas que j'ai besoin de crème. Hein, mais en fait, je l'ai prise parce que j'ai vu que c'était marqué Dead Sea Minerals. Et on sait que toutes les crèmes avec Dead Sea Minerals coûtent super cher. Parce que c'est c'est du sel de la mer morte. Et c'est des crèmes qui valent un bras. Donc, je ne sais pas vraiment combien elle coûte celle-ci. Mais à mon avis, elle ne doit pas être donnée. Et donc, il y a marqué crème hydratante pour peau grasse. Formulée pour équilibrer l'hydratation de la peau. Contient des sels minéraux et des filtres qui protègent la peau. Voilà, retarde le vieillissement de la peau. Idéal comme base de maquillage. Appliquée en massant jusqu'à absorption complète. Ne pas utiliser sur une peau abîmée. Ok. J'ai également pris ce petit pot de fleurs, voilà, qui m'a coûté, je crois, 75 centimes. Ouais, 75 centimes, magnifique. Hein. Franchement, pour 75 centimes, un pot comme ça, c'est génial. En fait, c'était pour mettre une fleur qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Ensuite, j'ai repris une boisson comme ceci, c'était pour la boire maintenant. Voilà, qui m'a coûté 30 centimes. J'ai enfin trouvé, enfin je les avais trouvés, à chaque fois ça me faisait de l'œil, il n'en restait plus qu'un, mais cette fois-ci je l'ai pris. Le Body Wash Mint, il m'a coûté 75 centimes aussi. Donc c'était vraiment donné. Ouais, vraiment donné. Ouais, je suis en train de regarder, ouais c'est ça. C'était vraiment donné, c'était soldé et ça sent vraiment la menthe et tout le monde les a pris. Donc, c'est pas que je fais le mouton, mais au bout d'un moment, je me suis laissée tenter. Et en plus, c'était le dernier qui traînait. J'ai trouvé des crèmes comme ceci de la marque Bab. Alors, je connais pas du tout, mais c'est contre l'acné. Donc, j'en ai pris trois puisque j'ai une ado et je vais avoir bientôt plusieurs ados. Donc, du coup, j'en ai pris trois.
Elles étaient à 99 centimes et franchement, si ça peut aider contre l'acné, parce que franchement, avoir des boutons, c'est juste pas beau du tout. Quand on est une jeune fille, on a envie d'être jolie. J'ai trouvé des petites chaussettes comme ça, toutes rigolotes. Et en fait, il y a marqué « Hey you » sur l'une d'entre elles. L'autre, il y a marqué, je crois, « Love ». En fait, c'est, tout ce qui a marqué, c'est sur deux chaussettes. Donc, c'est pour mes filles. Il y a marqué « Girl ». Je les ai trouvées vraiment, vraiment rigolotes. Il y a marqué « Silly Ridiculous ». Et elles étaient vraiment pas chères. C'était à 99 centimes. Donc, le lot de 3, franchement, on ne va pas se priver. J'ai également trouvé des chouettes petites élastiques comme ceci. C'est pour mes puces à 89 centimes. Et j'ai trouvé une cuillère à glace comme ceci. Elle était, je l'ai trouvée très classe à 2,50 €. Et le plus cher du cher du cher, c'était ce lot de culottes de la marque Dime. Il y en a 5 à l'intérieur. Elles sont bien là toutes les 5. Et c'était à 9,90 €. Pas la première fois que je les vois, mais bon là, c'était le seul paquet qui restait. Je pensais qu'elle allait peut-être être soldée, mais finalement, je l'ai pris. On en a toujours besoin des culottes, puis les culottes Dime, on sait ce que ça vaut. Et j'ai pris une petite bougie comme ceci. Donc, qui sent le Water Jasmine. Ça sent super bon à 1,49 €. Donc voilà, je vous ai montré déjà les petits paniers. Je suis passée également chez Maxilo puisque c'est juste en face pour me prendre deux comme ceci. Soupiquet, céréales, thon et légumes, je les adore. Franchement, elles sont super bonnes et elles sont à 1,49 €. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai repris une crème comme ceci à l'acide hyaluronique concentrée de la marque Planters. Je suis contente parce qu'il y en a encore plein et elle était à 4,95 €. J'en ai pris une deuxième parce que je sais que je vais la finir. Hein. Je m'en mets vraiment tout le temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment des choses qui valent le coup. Je pense que ça, ça vaut vraiment le coup comparé au prix 99 centimes. Ça aussi, je pense que j'ai vraiment fait une belle affaire. Bon, ça, n'en parlons pas, on sait très bien ce que ça vaut. Ce genre de choses, c'est au moins 6 €, voilà, voire peut-être plus. Je ne sais pas combien ça coûte en magasin, mais je ne les achète jamais en magasin, je vous le dis tout de suite. Voilà, et puis ça, c'est pareil, on sait très bien ce que ça vaut, ce genre de produit. La marque Planters, elle est quand même assez connue. Et donc, voilà. C'est dommage que je n'ai pas pu retrouver ces verres-là. Franchement, moi, j'étais vraiment partie pour ça. Je les cherchais à fond, à fond, à fond, à fond. Et j'en ai trouvé qu'une. Donc, voilà. Bon, bah, tant pis. Je vais me contenter de celle-ci. Bon, bah, en tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à commenter. Je vous fais plein de bisous. Bye!